Salut à toutes et à tous, c'est Timur. On se retrouve sur 7 Days to Die, jour 18. Il est 5h37 et on poursuit la construction de notre bunker. Donc bah c'est parti, hein, là on va attaquer direct avec du bétonnage. Et puis ensuite on va essayer de sécuriser le haut pour être tranquille la nuit. Ok, donc là déjà on a une plateforme là, ça nous sécurise pas mais ça nous aide. Ici il faudrait reboucher. Donc il faudrait que je fasse de la pierre en débris. Je vais voir si je peux faire du débris. Pierre détruite, c'est pas du débris mais bon. C'est tout comme je vais en faire de sang. Et puis on va commencer à poser de ce côté là pour avoir une vision du haut et que ça soutienne quoi. De toute façon on va pas plus loin que ça et de l'autre côté là on va soutenir l'escalier avec un bloc pour être tranquille. Comme ça c'est fait. Et il risque pas de s'écrouler. Bon, faut aller plus profondément. De ce côté-là, pareil. Le mur commence ici. Alors, quand on arrive là, on va peut-être bien faire comme ça. On va sortir avec l'escalier. Veut dire que je récupère la torche et que je vire ça. Bon, dommage pour la lanterne, on pourra en remettre hein, à la limite. C'est pas bien grave. Et puis alors il faut virer ce tas de sable là. Bon là j'ai commencé à reboucher ici. Il se trouve que les trucs n'arrivent plus. Alors comme ils n'arrivent plus, je vais retaper un petit peu là. Pour laisser le temps de venir. Comme ça, on pourra finir ça. Le trou sera complètement bouché. On sera tranquille. Ah oui, mince. J'avais zappé que ce côté-là, il y a un passage à faire. Ah, je vais devoir redétruire. C'est pas grave. Le fera en temps voulu, je vais pas m'étonner. Alors voyons si on arrive déjà à reboucher la fin de ce trou qui nous ennuie. Je pense pas, hein. Pas encore vraiment quand même assez profond. Même en le faisant approximativement. On est pas loin. Hein. On est plutôt pas loin. Ça peut le faire. Voilà. Là, on est tranquille. Bon, je vais continuer à les utiliser ensuite. Mais par contre, là, du coup, j'ai besoin de ça. Pour étendre jusqu'au bout. Alors on avait dit que peut-être après on va continuer à agrandir. Mais là pour le moment on va s'arrêter au mur, aux pierres quoi. Pour pouvoir juste avoir un chapeau et un toit au-dessus de notre tête en gros. Voilà, actuellement on est arrivé là. Et donc là au-dessus, ouais, il y a un renfoncement et tout, donc on sera un petit peu protégé. Je dis pas que c'est une protection, mais un petit peu, quoi. En gros, je vais enlever cette pointe.
Et on n'y voit que du feu. Alors du coup, c'est pareil, hein, il faut renforcer tout ça. Pierre pavé. Bah, en vrai, je peux pas clôturer parce qu'ici, en fait, j'ai pas un rectangle. Il me faut un rectangle. Là, on a deux. Et après, ça revient comme ça. Donc là, il manque un pour que ça fasse rectangle. Mais là, il y a une épaisseur quand même à virer. Donc il va falloir s'y pencher. Hop. Ok. Alors là, par contre, ça va, mais le long de ça, comme il y a des plaques, ça crée un creux. Mais j'ai envie de dire, c'est pas très grave. C'est vraiment pas très grave. Là, déjà, c'est pas mal. Ensuite, je vois que de ce côté-là, on peut arriver là, mais ça veut dire que on est gêné. À partir d'ici, on n'arrive pas à aller plus loin. Je sais pas si je vais pas faire une petite pause là quand même. Puisqu'il faudrait que j'aille faire des missions. Et c'est mieux de les faire de jour que de nuit en ce moment. C'est préférable. Donc ouais, on va peut-être y aller. Là, faut venir récupérer ça. C'est pas très long, moi, en fait. C'est pas très long. Je pense que ça va aller. Prendre un temps infini. Et par contre, ça, on va le vendre. Je vais récupérer une autre. Non, ça, c'est pas... Non, ouais, ça, c'est la mienne. Je me disais, tiens, il y a un truc nouveau dans les mains, là. Peut-être une hache. Il n'y a rien dessus. Il n'y a rien sur ma hache. Ouais, ok. Ça peut être normal aussi. Tout est normal. Il faut que je m'achète à bouffer, en vrai. On se casse. Faut nourrir ce gars. Il dépérit à vue d'œil. Attention. C'est un truc d'un coup là. Il est venu l'agresser sans raison. Mais on lui donne un sac bleu. Il est content. Ah, c'est cool. Ça fait donc plaisir. Allons-y. Et on se pose là. Bon, j'espère qu'il va me donner un bon petit truc là. En récompense de la mission de la dernière fois qui n'était pas évidente. You know, you can get some extra oomph out of your armor by adding a few simple modifications. C'est nul là. T'exagères? Nouveau travail. C'est loin. Rétablir. Infestation. Provision en terre. Infestation. On n'a pas le choix. Il nous donne pas le choix. Aïe, aïe. Ah ouais, j'avoue. Downtown, j'avais pas vu. Je n'avais pas vu Downtown. J'aurais dû lire. Il y a un problème aussi, c'est que on n'a plus d'essence. On va y réfléchir. On n'a plus à bouffer non plus. On y réfléchit. Et l'essence, c'est ce qui prime. J'en ai acheté pour 2000. Voilà. Come back soon. We restock often. Puis là, je vais voir s'il n'a pas un petit souci, par exemple. Ouais, c'est bien. Et une ration. Hop, on fait les deux. Et on espère que ça ira bien comme ça. Ça sera pas beaucoup, mais ça sera déjà un peu. Un vélo, vélo, t'es par là. Ah là, j'ai fait le mauvais choix. Le Downtown aurait dû m'effrayer. Au final, il n'en a rien été. Or, ben, en ville, il y a souvent
énormément de zombies sprinteurs. Alors déjà que c'est une infestation, et si en plus on se fait submerger par ceux aussi du dehors, ça va pas être très évident. Alors vraiment le mauvais feeling, hein, c'est on ne peut plus downtown. On commence à avoir des gros qui se promènent, on va avoir des yeux jaunes bientôt, il y en aura partout. Là il va me courir après lui. Quand on fait un mauvais choix, bah c'est ça. Un choix lamentable. Qui peut hypothéquer nos chances de survie. Voilà. Ça ne va pas du tout. Ferme. Oh lolo. Ok. Où est-ce qu'on se cache ici? Je flirte avec la limite de la mission. Tour. Tour. Ah, c'est bien. Je la touche à peine. Alors là, je risque pas de te toucher. Hein. Ah, la totale. Il vient exploser là, lui. Ça va. Ça va, ça va. Où est-ce que passé? Ok. Danger. Viens là, viens là, viens là. Ok. J'ai du mal, je tiens mal celui-là. Ça y est, les là, tous. Pas tous là. Enfin! Eh oui! C'est la mort pour vous! J'avais pas mis un point là-dedans, là. J'ai des gros doutes. Qui es-tu? Ah, je faisais partie de la mission. Oh la vache, il m'effondre ça. D'accord. Oh purée. Le gars s'en sort pas. Ah t'es mort hein. Qu'est-ce que je me disais. Bon. Voilà. Ouf, c'est où la mission déjà? Parce qu'on a perdu le fil. C'était là. Alors. De toute façon, on retournera sur l'endroit où on était. Mais quel début terrible. Déjà, rien que le début était affreux.
La suite n'est guère mieux. Avec beaucoup de gens. Encore. Elle m'a oublié. Oh la vache. Non, il va me sauter dessus à un moment là. Voilà. Oh. Mais arrêtez de faire semblant aussi. Faut vraiment sauter, il y a deux points. Combien de balles là? Il y en a plus beaucoup. Oh là là. Dur, c'est dur. Force, on va quand même en mettre là-dedans. Bah déjà, elle tire sur, sur le gars, hein, ça tire du monde autour. C'est bien ça. Vas-y, monte là. Tranquille. Ici, on est à... peu. Je pense qu'on va peut-être l'abandonner, hein, celle-là. Il est possible qu'elle soit abandonnée. Tellement elle est dans le complexe. On a fait sortir que des fluos, pratiquement. Et c'est pas beaucoup mieux ensuite, puisqu'il y a une échelle. D'accord. Oh, c'est le vieux coin, hein. Merdique comme tout, y'a que dalle. J'ai des trucs angoissants là-dedans. Ah, illustration. Il me tombe pratiquement dessus. M'a pas eu. Tu m'auras pas, mec. C'est bien qu'il ait cassé le poteau, j'ai l'impression. Laisse ce truc. Mais non! C'est pas bien en fait. Ah, bravo! Nickel! Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire nous? Il nous faudrait du bois. Il nous faudrait du bois pour remettre un poteau de bois. N'écoutant que son courage. Ouais, tu pourrais. Non, tu peux pas. N'écoutant que son courage, il refait un bloc. Quelqu'un qui est mort. Tant mieux. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Mais on peut pas plus, hein. Il va céder vite. Faut avoir conscience que. C'est pas grand chose. Pas grand chose, mais c'est toujours ça. Allez. On poursuit et on sait qu'on va, on va vite fuir. Il y a des gars partout. D'accord. En train de se battre là-bas. Le pire endroit du monde pour une mission qui est en plus apparemment toute petite. Et sans grand intérêt. Voilà, on poursuit dans la galère.
Oh là là. Ou trop. C'est trop, mais c'est trop. Beaucoup trop pour moi. Ça. Ouf, l'irradiation, elle est là. Un homme démuni. Mais non. Mais combien êtes-vous? Dac. Ah mais arrête de rater tes sauts, c'est pas le moment Coco. Tu vois bien qu'on est pas bien. Ok. Ok. Soyons doux. Oh, une tronçonneuse, merci. J'ai reculé ma moto. Je vais te les mettre dans le sale coin là. Ok. C'est mérité. Ça se court après là-bas. Mais je comprends pas, c'est pas fini. On a pas eu assez de fluo. C'était pas assez. C'était pas assez. Moi je trouvais ça bien déjà là, comme ça. Je trouvais pas que c'était suffisant. Ok. je veux plus y aller. S'il vous plaît. Il y en a bien assez quoi, je veux dire. Et là, on est là. Des choses qui nous échappent, là. Ah, il y a une lumière là-bas. Moi, je dis que t'étais bien. C'était bien, comme ça. C'est là, je crois.
Ok. J'aime pas ça. J'aime pas ça, là, je sens que je vais y passer, là. On ressort pas de ce truc. On ressort pas en vie. J'ai plus de balles, purée. Terrible, terrible. Mais non, ils sont trop. C'est beaucoup trop. Je l'ai fait doucement. Je l'ai fait doucement comme ça. En tête à tête. Allez, vite, crève, s'il te plaît. Sois gentil. T'es pas si solide que ça, ta tête. Ah bah oui. Allez, à toi. C'est bien. C'est bien, ça. On croit toujours avoir connu la pire mission, et au final, bah non. La suivante est toujours pire. Ok, à toi, alors. Je vais t'attirer. Encore beaucoup, hein. Il me saoule. Il est solide en plus. C'est encore beaucoup, beaucoup là-bas. Je me méfie surtout, c'est le biker, voilà. Merci. J'ai plus de balles. Ah, t'es là, toi? Fais un peu pitié, non? Voilà, tranquille. J'ai plus de balles de ça. Il me reste que ça. J'ai 1000 et quelques balles de ça. Et là, ce qu'on veut, c'est se soigner. Tu vois, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à dur, mais... Mais là, c'est plus que dur. Qui es-tu, dernier? Tu es un courage. On va te trancher la tête, hein. Ah non, il est reparti en haut. C'est quelqu'un d'autre. Ah si, c'est fini! On a gagné.
Oh, j'y crois pas. Eh, incroyable. Allez, dégage. C'est nous qui avons gagné cette impossible bataille. Je viens à peine de me soigner. Il m'a remis une blessure. Allez, barre-toi vite. On récupère le trésor. Et c'est tout. J'étais arrivé là. Bon, je vais fouiller puisque je suis là, quoi. Et il commence à s'attrouper là tout autour. Empêcher de prendre ce que j'ai mérité, que j'ai gagné de mon sang. C'est ça que j'ai gagné. Allez, vite, on se casse. Ça craint. Il y a beaucoup de monde. J'essaie d'entrer. Ah, une mission comme ça, j'en veux plus. Hein. Ok, ok. Alors, on avait réussi à ressortir. Oh, cool, j'ai 135 balles là. Toc. On avait réussi à fuir par là. Ok, et c'est là. Quel enfer c'était. Waouh, impressionnant. C'était qu'une pauvre mission, hein. On n'a pas gagné grand-chose. Au final. Ok. Vas-y, 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 avance, avance, avance. Ah, t'es là? Vas-y, viens. Viens, viens, viens. Tu m'as tellement saoulé, viens. Sur moi. Sous sans risque, résistance. Qu'est-ce que je portais, moi? Je portais ça. Vitesse de course. Un peu plus d'endurance. Ouais, ouais je vais changer du coup. Ton maigre stuff là. Ah, je peux pas les renforcer par contre. Ça marche pas. Attends. Je vais peut-être prendre une provision enterrée. Je me tape, hein, franchement. Ok. Déjà, il va mieux. Un petit peu plus en forme. 60. Ouais. J'hésite, mais je vais quand même prendre un paquet de bouquins. Provision enterrée 3. Je suis pas un truc de nuit. Ça me semble pas une bonne idée. Déjà, je viens de tellement galérer. Le problème de la provision enterrée, c'est qu'elle va me lâcher des fluos quand même. Je vais rien prendre, je vais aller faire les trésors que j'ai. En espérant que la prochaine fois il me redonne mieux que des trucs pareils là. Voilà, j'ai tout lu. On va regarder au niveau de la tête qu'est-ce que t'avais. Ouais, t'avais ça, remarque. Alors ça, ça donnera quoi pour le trésor? Plus 10% de gain d'XP. Ouais. Que j'ai pour l'instant, ça va. Hein. C'est dommage, mais. Ouais, vraiment. J'ai envie de profiter de la vie quand même. Je vais bouffer ça. We will be closing soon, so grab
what you need, head on up to the cash register. Il ferme vite. Je vais manger un truc. Je vais l'acheter, je vais le bouffer. Pour pas user un bandage. Parce que ça me redonnera juste assez de PV pour que les vautours me sautent plus dessus. À mon avis. Voilà. Et puis ensuite, on va se focaliser sur un trésor. Voilà, celui-là par exemple. Voir où ça nous mène. Ça nous mène là. Je me suis pris une batte, mais ça va, ça m'a rien fait. Donc nous, on est ici. Ok. Je pense pas utiliser ma poreuse, malheureusement. D'une part par économie d'essence, et d'autre part parce que je ne veux pas trop attirer l'attention. Notamment pas l'attention des crieuses. Ah là là, il est tout prêt. Oh non. J'avais pas vu ça. Je l'avais pas vu le loup. Le loup, c'est... Oula. Il vient par ici, je vais m'éloigner. Bien, juste à côté de ma moto. Là, je peux pas le faire. Faut qu'il reparte. Ah, oh, c'est pas de bol. Ah, il y a une bâtisse. Ah, mais il fait exprès, quoi. Il va dans mon trou. Bûcheron avec des yeux jaunes. À moins que ce soit juste un gars normal avec des yeux jaunes. Ah oui, il s'énerve quoi. Incroyable qu'il soit venu là lui. Je vais devoir attendre un peu. Et pour moi, pour l'instant, c'est une incroyable perte de temps là. Le truc campe sur mon trou. Il suit là, regardez, il marche sur le trait là. C'est invraisemblable. Mais dès qu'il fait mine de s'éloigner, il revient. Quand c'est pas lui, c'est autre chose. T'es venu dedans à son tour. Incroyable. S'il a les yeux jaunes, il est dur à faire. Il a les yeux jaunes. Il y a une horde qui arrive là-bas en face en courant. Je pense que... Cette nuit va être une longue nuit d'attente. Ah, explosion là-bas. Dommage parce que lui s'était éloigné, mais un autre est venu à sa place. Beaucoup. Ils sont très très nombreux. Ah, il m'a vu, ça y est.
H. Cerné. Dernier un point qui est incroyable. Une mine là. Ça, ils ont pas suivi. Ah, dis donc. C'est une prison ce truc. Génial. Observons ce qui se passe. Ah d'accord. C'est toi ourson. Non, franchement, je vais me percher quelque part. Elle est de combien cette maison-là? J'ai même pas vu. Je vais me percher quelque part et je vais finir d'attendre. Il reste. Bah, c'est vrai encore. Hein. J'ai mis ma moto là où il fallait pas. Hein. Ouf, je suis passé juste à ras de la mine. On est dans la galère. Je vais fouiller les voitures que je rencontre. Alors, il y en a qui courent comme ça, mais de nulle part. Regardez-la, elle est énervée, elle court. Pourquoi court-elle? Ouais, elle court. Elle a les yeux jaunes. Elle a les yeux jaunes. Voilà. Petit combat de nuit pour passer le temps. Il y a un ours aux yeux jaunes maintenant. Elle semblait énervée comme ça, elle courait à droite à gauche. Là c'est le Westland pur et dur. Il n'y a pas photo. Aujourd'hui c'est une journée compliquée. L'ours il s'approche dangereusement maintenant. S'il change pas de direction, je me barre. La direction est pas bonne. Et puis il y a lui là. Ouais, ça passe pas en le temps. Là, il y a les deux trésors côte à côte. On vient là, tranquillou. C'est calme maintenant. En fait, les trucs apparaissent autour du joueur, hein, quand même. Très nettement. Allez, courage. Il reste une petite demi-heure. C'est bien quand ils explosent, ça fait plaisir. Écoute. Soyons le plus vigilants possible. Même si les loups, tout ça, on les entend pas dans les trous. Quand on creuse, on n'entend pas ce qu'il y a au-dessus. Et eux, ils disparaissent pas avec le jour. C'est le problème. Loup et ours, ils seront encore là. Un trésor méga mal placé pour l'instant.
Voilà. J'attends les quelques minutes qui nous séparent du matin pour ouvrir. Enfin, moi que j'ai des crochets, non, j'en ai pas. Parce que si je tape, ça va attirer. Mais là, ils vont mourir. Voilà, ils sont morts. Yes! Cool. Un trésor qui valait la peine d'être trouvé. Puisqu'on a trouvé ça. Il sera sans conteste meilleur que ce qu'on avait. Alors l'autre trésor, il est juste à côté, on l'a vu. Franchement, autant y aller. Des trucs qui se posent, la mini. Hop, on la prend. On se faufile jusque là. Ça a l'air plutôt calme. On va y aller au départ avec ça. Allez. Ok. Bon, on a beaucoup de fric aussi. C'est ça qui est bien. Celle-là était moins bien, mais on a du fric. Donc c'est une très bonne chose. Je suis tenté presque de faire la baraque qui est à côté là. Juste par exemple pour voir s'il n'y aurait pas à manger dedans. Mais je suis tenté aussi de me barrer. En plus j'ai plus tellement de temps là, va falloir que j'arrête. J'ai soif, j'ai faim. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, des gens comme tous normaux. Il va manger pour lui. Non. C'est un refus catégorique. Ouais, ils ont vraiment rien à bouffer. Ça marche. Il y a un établi. Il y en a à prendre malheureusement. Bouffez s'il te plaît. C'est terrible. Je pense pas la faire entièrement de toute façon. Je pense que je vais m'arrêter. Je voulais tenter la bouffe. Il aurait aussi fallu à la limite tenter le trésor. Mais en tout cas à bouffer ses niettes. Moto t'es où? T'es là. C'est quoi cette vache qu'on avait? Ah bah oui. Oh. Attention. Oh. Fusil de chasse. Ok. Bah on va faire ça, allez. Il devait arriver de là, quelque part, j'ai l'impression. Dans cette maison.
De la cheminée. Il venait de la cheminée. Ouais, ma hache, c'était pas celle-là, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai équipé ça. Il fallait la vendre. Bon, bah écoutez. Je vais m'arrêter, là. Tant pis pour le trésor. Il faut que je rentre. Et comme ça, la prochaine fois, je prends une autre mission que la mission que j'ai eue aujourd'hui. Hein, parce que là, c'était pas sympa de sa part au trader. Il m'a envoyé dans un traquenard. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Allez, salut!